Alexandre Dossi, 22 ans, sans emploi et sans domicile fixe, mais toujours proche de sa famille. Selon sa sœur, rien n'indiquait qu'il pouvait déraper. Peut-être qu'il a été influencé, je ne sais pas. Il s'était converti, mais il a toujours été dans la bonne direction. Il parlait de sagesse, faire les choses bien. Donc, à aucun moment, il était question de partir dans le mauvais côté. Converti à l'islam en 2009, Alexandre est alors devenu Abdelilah. Son changement avait été remarqué par ses voisins. Sa conversion était visible de par sa tenue vestimentaire et sa barbe. Donc on comprend qu'il s'était converti à l'islam. Mais à part ça, son comportement n'avait pas changé envers nous. Il était toujours aussi amical, gentil, bonjour, poli. Dans cette boucherie halal où Alexandre a travaillé 2 mois en 2011, c'est aussi l'incompréhension. J'ai jamais pensé qu'on arrivait là. Alexandre n'est pas quelqu'un de vraiment agressif. Bizarre, oui, je répète, son comportement est bizarre, mais il n'est pas agressif. Lors de sa garde à vue, Alexandre aurait toutefois expliqué qu'il voulait faire comme à Londres. Les enquêteurs ont évoqué quelqu'un d'intelligent mais construit et tenant une réflexion glaciale à entendre. Selon eux, il pourrait recommencer et tuer.